C'est pour dessiner sur mon nouveau iPad. J'ai suivi les conseils de ma sœur, qui elle a acheté un iPad, le dernier, avec ce stylo Apple pour une application dessin. C'est aussi ça qui m'a poussé à acheter le dernier iPad Pro pour le dessin. Et ça aurait été bizarre si je n'avais pas acheté avec l'iPad le Pencil. Sur la garantie, consultez le site apple.com. Comme d'habitude chez Apple, on reste très simple sur le design. Un design épuré, du blanc, avec un aperçu du produit ici, le nom juste là. On n'oublie pas la pomme d'Apple. Et code barre, diverses informations sur le derrière. J'ai un peu de mal. Le plastique, malgré sa légèreté, reste assez solide. Voilà, c'est bon, j'enlève un morceau. Après, ça va aller tout seul. Que la luminosité baisse un petit peu, comme si le soleil
ça. Ah bah comme ceci. Ce sont les notices. On va les lire de suite et mettre l'autre boîte avec le stylo Apple dans la poche. Même pour mettre quelque chose dans la poche, j'en chie. Sécurité, manipulation, dessiné avec l'Apple Pencil pour l'iPad Pro comme vous le feriez avec un crayon sur du papier. N'utilisez pas l'Apple Pencil sur une autre surface que celle de l'iPad Pro. Ils préviennent comme ça, si un souci, ils se couvrent, ils se lavent les mains. Assurez-vous que la mine de l'Apple Pencil reste propre car la poussière et autres petites particules pouvant entraîner une usure excessive de la mine ou des dégâts sur l'écran ou l'iPad. Cette boîte, une mine supplémentaire. Donc, en tout, nous avons le stylo plus une mine et ainsi un petit endroit pour installer la recharge. Je vois que le soleil se couche de plus en plus. C'est bientôt l'heure. Cette vidéo n'est toujours pas terminée. Car juste ici, nous avons le fameux stylo iPad. Avec un design blanc très simple. Un petit film de protection le protège.
Attention, le pouls est extrêmement fragile. Il va falloir que j'en prends grand soin, mais très vraiment grand soin. Au vu du bruit, c'est un petit peu normal. Du coup, on va ranger ça là-dedans. En espérant que cela vous aura plu.